J'ai ici Io ho qui una corda e questa corda, come tutte le corde, ha due capi e un centro. Comincia con queste parole il numero del francese François Tabary, che l'anno scorso ha vinto il primo premio di close-up al Festival Mondiale di Magia di Losanna, per aver dato a una delle più difficili e spettacolari esibizioni da scena, la manipolazione della corda, una dimensione più intima, più raccolta. Mais comme une corde et demie, ça ne tient pas plus de bout qu'une corde à trois bouts. Où voulez-vous que je trouve ce troisième bout? Eh bien, certains soirs, après une bonne bamboula... Contrariamente agli artisti che si sono esibiti fino ad ora, Tabary accompagna il suo numero con un testo, che si giova di una serie di giochi di parole. Ma la forza del suo numero è tutta visiva. Infatti la corda si divide, si salda e si annoda in modo assolutamente inspiegabile, addirittura miracoloso. Ora Tabary sta parlando di una corda che stranamente non ha due capi bensì quattro. Ma ecco che due capi scorrono sulla corda, che alla fine non è più una ma due. Ceci afin d'avoir toujours quatre bouts. Deux ici et deux autres là. Mais en réalité, deux cordes, une ici et une autre là. Car si j'aboute chaque corde. Ora con le due corde, Tabary fa due anelli, diversi e separati. La seconda. J'aboutis a due cordes aboutées, c'est-à-dire due cercles. Si par contre j'emboutis ces due cordes aboutées, j'aboutis a un cercle. Ma il cerchio e il nodo sono diventati uno soltanto. Avouez que pour faire ceci, il faut en connaître un bout. Et pour ne pas vous mettre à bout, je vais vous en expliquer un petit bout. Oui, car vous avez tous compris que tout ceci n'est qu'un problème de nœud. È tutto un problema di nodi, scherza Tabary. Si vous êtes Ma ecco che il nodo da lui fatto sparisce. De faire disparaître un nœud. Vous verrez tous par la suite que vous n'aurez plus aucun problème pour joindre les deux. Per poi ricomparire. Bien me direz-vous. Voi direte che i due capi della corda si somigliano, continua Tabary. E per questo fa un nodo a un capo della corda. Sur ce bout-là. Si ce bout peut se mettre un nœud, il va de soi que le nœud, lui, peut se mettre les bouts. Si d'autre part, je mets un nœud ici sur ce bout-là, il va de soi que sur ce bout-ci, il n'y a pas de nœud là. Cependant, rien n'empêche ce nœud d'aller d'ici à là. Nodo che lui fa nuovamente scomparire e ricomparire all'altro capo della corda. Oui, car entre nous, ce n'est pas les nœuds qui mettent les bouts, ce sont les bouts. Voici donc pour vous le célèbre tour des bouts. Qui mettent les bouts, et devinez où? À l'autre bout. Premier bout. Par au-dessus. Second bout. Avec un nœud au bout. È impareggiabile la maestria con cui Tabary fa scorrere i nodi da un capo all'altro della corda. Ecco che i due capi di corda sono diventati il suo centro. Mais alors, me direz-vous, si ces deux bouts sont noués bout à bout,
il est bien plus difficile pour ces deux bouts à bout avec un nœud au bout de mettre les bouts à l'autre bout. À moins d'être jusqu'au boutiste et de mettre les bouchées doubles. Ce qui fait que dans ce cas, ces deux bouts à bout avec un nœud au bout vont deux bouts en bout et se retrouvent à l'autre corde, bout dopo essere stati legati saldamente. Un bout de corde ayant un bout à chaque bout dont un nœud est au bout. Oui, car jusqu'à présent, je ne vous ai fait que des tours debout. Il est bien sûr possible de vous faire des tours qui ne sont pas debout. Ah, si! Si, par exemple, ces deux bouts sont ici, dans la poche. Il n'est pas possible, là, de faire un nœud comme ça. De même que, si vous avez une corde avec un nœud là et deux bouts ici, on ne peut pas défaire ce nœud-ci comme ça. Oui, car s'il n'y a plus de nœud, il n'y a plus de bout. Et ça devient un tour dont on ne voit plus le bout. Ora la corda è un anello. Mais alors me direz-vous, où sont passés les bouts? Ma dove sono finiti i capi? E la tasca? Dans la poche. J'ai donc ici une corde sans bout, et là, deux bouts sans corde. Pour retrouver une corde qui tienne debout, il suffit de mettre les deux bouts sans corde à cheval sur la corde sans bout, et, en tirant sur le bon bout, je retrouve ma corde avec un nœud au bout. Ecco la corda così come era all'inizio del numero. Vous êtes fort sympathique. Je vais vous faire le célèbre tour Tabari annuncia il numero della corda tagliata in due. Questa corda, come tutte le corde, è in cerca della sua metà. Comme toutes les cordes, est à la recherche de sa moitié. Grâce à une paire de ciseaux. Son rêve, enfin, se réalise. Mais, comme ces deux bouts sont identiques en tout point, au bout d'un certain temps, ils ne veulent plus faire qu'un. Et c'est ainsi qu'en tirant sur ce bout-ci s'agrandit. La corda, tagliata a metà, diventa lunghissima da un lato e molto corta dall'altro. Si je m'arrête ici, j'ai maintenant un long bout et ici un petit bout tout rabougri, pas très joli, voire même laid. Ce boulet. Et ce boulon étant fait pour s'accorder. Le boulet s'encorde dans le boulon. Ora la corda più corta confluisce in quella più lunga e resta solo un nodo. Le boulon s'allonge. Tabari scioglie il nodo e la corda torna ad essere come all'inizio di questo numero strepitoso. Tout ceci pour finir sur un nœud. Car cette histoire de bout n'a toujours été qu'un problème de nœud. Et le dénouement de cette histoire de nœud n'a toujours tenu qu'à un bout de corde. François Tabari.